Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où nous allons pâtisser. Allons faire... C'est quoi qu'on va faire exactement? On va faire quoi exactement? Des cupcakes. Ah voilà, nous allons faire des cupcakes. Du sucre glace, du beurre, du glucose. Du glucose, regardez le glucose. On dirait les pots de colle quand on était petit, mais c'est des pots de colle géants. Je les fais à l'œil, mais moi c'est vraiment pas à l'œil. Nous n'allons pas faire le meilleur pâtissier de France. Oui, Cyril. Cyril. Là, vous devez vous dire, mais mon Dieu, ce n'est pas les mains de Lady Marjo, mais non, c'est les mains de Création Lily. C'est un petit gluant. C'est le glucose qui doit faire cet effet-là. Ah, parce que là, c'est chaud. Ah oui, parce que le beurre... Elle est tiède, je trouve. Alors là, c'est la fabrication de la pâte à sucre. Ah non, mais moi qui avais juste essayé ça... Ça fait mal. Là, t'as envie de la manger. Moi, quand j'avais fait le gâteau... Le gâteau basique, elle est terrible. Moi, la main, je vais le gâteau. Alors que là... Pour le baptême de la petite, bon bah du coup c'est vraiment que pour la déco. Quoi. Moi le problème c'est que je serais capable d'aller piquer comme ça moi. Donc là on en a fait une maison et là on va goûter la chimique, l'industrielle. Ah c'est dégueulasse. Voilà. Non mais poubelle. Non, c'est à dire que là ça fond dans la bouche, on sent le sucre glace fondre dans la bouche et là non c'est pas dégueulasse, c'est pas ça. Ça me fait penser à l'intérieur des chocobéennes blancs là. Tu sais? Ah, les chocobéennes, la crème à l'intérieur. Ça fait pas... Bon, celle maison est vachement, vachement meilleure, ça se dit pas, mais c'est meilleur. Oui, c'est moins naturel. Allez, on remet. La petite astuce de Création Lily qui vient de me dire que dans tous ses gâteaux, elle met du jus de citron pour aérer. C'est ça, tu aères tes gâteaux avec du jus de citron. Voilà. Nous avons une Anglaise avec nous. Oui, nous sommes des copines Benetton. Nous avons appris qu'en Angleterre, en période de Noël, c'est ça? Ils font des gâteaux de Noël. Ils font des gâteaux. Un gâteau de Noël. Ah voilà, ils font des gâteaux de Noël avec du glaçage, mais à la base c'est blanc. Blanc. C'est pas jaune. Jaune, c'est de l'art abstrait là. Elle a voulu refaire comme Marjorie dans Top Chef la semaine dernière. Elle nous fait quelque chose d'abstrait. Dans le bleu, alors on dirait, ça me fait penser au Mr. Freeze à la framboise. C'est ça. Là, là derrière, vous connaissez, c'est ma copine, c'est Création Lily. Elle est partie déjà avec moi à Paris. C'était elle la folle avec moi à Paris. Voyons. Oh, vous la reconnaissez pas? Alors maintenant, on va passer... Comment on appelle cette étape? Le façonnage de la pâte à sucre. Voilà, le façonnage. Nous allons créer, nous avons fait donc nous-mêmes notre pâte à sucre et maintenant nous allons faire notre décor. Voilà, on passe du meilleur pâtissier à déco, Valérie Damino. Voilà. Oui, parce que là je vais faire un cupcake girly love. C'est pour mon chéri. Oui, la Saint-Valentin une semaine avant. Et alors? Je repasse. C'est clair, mais c'est ça, hein. Je suis désolée, les filles. C'est pour faire le... Oui, non, j'ai fait un petit peu de coque sur le nez derrière.
Alors là, en fait, on est en train de faire un topping. C'est-à-dire que c'est le fameux glaçage qu'on... Enfin, c'est pas un glaçage. C'est le fameux... La crème qu'on va mettre dessus le cupcake. Donc ça, c'est des petits ateliers que vous pouvez réaliser à Fleur de Thé à Castries. C'est la fameuse boutique dont je parle souvent pour mes favoris du mois quand je présente mes thés, puisque c'est ici, derrière, que j'achète mes thés. Voilà. Donc là, on a fait les cupcakes avec... la pâte à sucre. Maintenant, on va faire les cupcakes avec le fameux topping par-dessus. Et voilà. J'ai vu ça toute ma vie. Donc là, c'est les cupcakes avec le topping. Donc moi... je vote pour cette façon-là. Je trouve que c'est vachement plus sympa qu'avec la pâte à sucre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!